Un dernier hommage entre émotion et tension lors des obsèques d'Akwete Dimalonga Beni Edouard qui se sont déroulées ce samedi à Kinshasa avec quelques désireux d'adresser leur dernier adieu. Une longue file de supporters a commencé à serpenter des lobes autour de l'hôpital du cinquantenaire où était organisée une chapelle ardente. De nombreuses réactions ont plu à l'occasion de cette cérémonie de séparation d'avec l'ancien joueur et entraîneur des Léopards, passé par l'ASV Club de Kinshasa et l'AS Bantou de Mbujimayi ainsi que SMZ actuel LMC. François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo, ministre des Sports et Loisirs. Président de la République, chef de l'État. Lobina pourquoi na ebisi après réunion que mo konzi na kokende na matanga alobi kende déposer chef la fleur na kombo ya gouvernement na biso na premier ministre Pazala Kiwana. Donc na ye awa à double titre. Na ye d'abord qu'on représentait gouvernement pour tout le Sabino que gouvernement a bissawa toza elongo na ba joueur toza elongo na ba sportif toko bossa na ba sportif té. Présente à ses obsèques, les anciennes gloires de la RDC ont aussi témoigné. Vieux gloire, vieux à côté, belle barek bakoumou soki combien tu pesa yé moko pour elongo balé. Les amis locaux, au bout d'un moment, en gros, plus que ça la paix, bah, comme dit ma paix. Edouard, je l'ai rencontré comme adversaire dans notre sport. C'est un élément de valeur. Né en 1936 et mort mercredi 22 février 2023 à Kinshasa, celui que l'on avait surnommé Ben Barek a fait partie de la première génération des premiers talents congolais surnommés belgicains, partis monnayer leurs talents en Belgique et qui ont constitué la genèse de l'équipe nationale des Lions, devenue quelques temps après Léopard.